Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue au Hero Festival à Marseille. On va se balader dans les allées, on va découvrir des gens, on va faire des photos avec des cosplayers, tout ça et bien plus encore. Après le générique? Alors, déjà la fameuse question, qu'est-ce que c'est que le Hero Festival? Le Hero Festival est un festival qui se passe aujourd'hui à Marseille, il y en a aussi un à Grenoble, et ça va être le festival de tous les héros, qu'ils soient américains, asiatiques, culture, pourquoi pas tout ce qui va être celtique et autres. En fait, t'es un héros, tu as ta place ici, ou même les héros du quotidien. Je suis allé volontairement dans un endroit un petit peu plus calme, tu vois, un petit peu en bord, et franchement, bah écoute, moi je te le conseille si tu ne connais pas. Cette année en plus, c'est la seconde année après le Covid, donc on sent qu'il y a déjà plus de monde, plus de visiteurs. Il y a aussi des invités internationaux cette année. C'est quelque chose qui était là déjà présent les années précédentes, mais pas l'année dernière, hein, cause Covid. Là, tu as deux acteurs de la série Charmed pour les plus vieux. Donc surtout, n'hésite pas si tu ne connais pas à te renseigner. Alors, ce qui est vraiment bien dans le Hero Festival, c'est le mélange des genres, des cultures. Et au final, tu viens ici et tu découvres vraiment plein de choses. Tu vois, ici, là, d'un côté, on a le stand. Ici, là, deux canards. Là, un stand avec Jérôme Alquier qui dédicace sa BD. Est-ce qu'on verra ça juste après, peut-être. Mais de l'autre côté, tu vois plein de choses. Ça parle de cartes magiques, de jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? À qui on peut en parler? Mais regarde ça tout de suite. Ben bonjour à tous, moi c'est Julie de la Guilde Saint-Georges. Donc la Guilde Saint-Georges, c'est une association aubagnaise, à côté de Marseille, qui fait du jeu de rôle. Alors le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est du théâtre d'improvisation sur une base de jeux de société. Donc théâtre d'improvisation parce qu'on incarne un rôle. Donc ça va être un peu comme si on était des acteurs d'une série ou d'un film. Et on suit le scénario qui est proposé par un maître de jeu. Et c'est là où la Guilde Saint-Georges intervient. Dans les conventions, on propose des maîtres de jeu qui viennent animer des tables, des parties de 1 à 2 heures maximum, pour faire découvrir le jeu de rôle au plus grand nombre. Donc c'est une passion qu'on a, c'est une passion qu'on partage, et notre grand kiff, c'est de faire partager cette passion. Aujourd'hui, donc, sur le Hero Festival, on présente 25 univers différents. Et on a la chance d'accueillir en plus des maisons d'édition et des auteurs. Et c'est vraiment un axe qu'on aimerait développer dans le futur. Parce que le jeu de rôle, c'est un super moyen de partage, c'est un super moyen de faire des rencontres aussi. Et c'est un secteur à développer. Alors n'hésitez pas à vous y mettre, on est là pour ça. Merci à tous!
Et c'est là que tu te dis que c'est quand même avantageux d'être grand parce que il y a beaucoup, beaucoup de monde. On a rencontré plein de gens, on a rencontré, et surtout, alors évidemment, plein de magasins, mais ça c'est un petit peu normal, j'ai envie de te dire, quand tu fais ce genre de convention, des trucs cool, des trucs originaux, des trucs un petit peu moins, mais bon, ça j'ai envie de te dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Très sympathique, avec honnêtement, mais toujours dans ce genre de cas, des très bons, des très beaux cosplays. Coucou, c'est le Head du futur, celui qui fait le montage. Alors que j'étais en train de regarder les rushs, je suis tombé sur une séquence qui m'a un petit peu interpellé. J'avais du mal à comprendre, donc je l'ai repassé au ralenti, et j'ai compris ce qui m'a dérangé. Donc je me permets de vous le montrer, bah, tout simplement pour vous mettre en garde, vous montrer que ça arrive aussi en France. Donc j'ai envie de dire, faites attention à vous. Je vous laisse faire votre avis, votre jugement. Voilà, la morale de l'histoire, faites attention à vous. Non, vraiment plus de monde que l'année dernière. Vraiment très content. Il y a évidemment beaucoup de scènes sur lesquelles il y a des animations ou des rencontres invitées. Là, je vais m'arrêter parce que c'est un peu bruyant, tu vois. Mais vraiment, c'est super cool. Et j'insiste encore sur tous les cosplays qui sont au top. J'ai envie de te dire, tu sais que je parle sur la chaîne de figurines. Et si on parlait un petit peu figurines, j'ai rencontré quelqu'un qui fait de l'impression 3D, qui les customise, qui les peint. On en parle ? Allez, on en parle avec lui. Alors, Phil Workshop. Donc, je fais des figurines depuis quelques années, ben, on va dire ben, depuis 2000, vraiment, plus sérieusement. Donc, en fait, j'ai pas vraiment d'univers particulier. Je fais tout ce qui est, on va dire, film, animé, manga. Et voilà, donc c'est à l'origine, c'était au début, j'avais commencé, c'était sur des petites figurines Warhammer. Et puis après, j'ai continué avec des garage kits, donc des figurines en résine. Depuis le Covid, je me suis lancé dans l'impression 3D. Donc j'aime bien peindre, customiser par moment des figurines. On va dire très peu avant. J'avais commencé, mais en fait, ça a été très, on va dire faire concurrence à certains. J'ai été frustré en fait. J'avais fait une figurine et le même modèle était sorti, c'était commercialisé, donc très difficile. En général, après je travaille surtout à la commande, j'aime bien surtout, c'est que ça me permet de faire énormément de choses, et des choses différentes, et puis voilà. On peut me contacter, oui, en fait voilà, c'est en général, c'est sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai pas de page, et je marche principalement à la commande, on va dire, parce que justement c'est des défis, voilà, pour moi c'est pour faire des univers différents, et ça me permet d'essayer de faire une figurine qui se rapproche le plus et de m'approprier déjà, d'essayer de bien comprendre l'histoire. Voilà, j'ai fait des univers que je connaissais pas du tout et puis je me suis retrouvé à faire des figurines que j'aurais jamais pensé faire et ça m'a plu, voilà. Et ça m'a fait justement par moment découvrir, on va dire, que ce soit des histoires, des animés, des mangas, des comics Donc ça, c'est bien, ça me permet de découvrir énormément de choses. Voilà. Je te remercie, de toute façon on se retrouve vraisemblablement bientôt sur la chaîne, peut-être avec une commande. Oui.
Et voilà, messieurs, dames, on arrive à une fin de vidéo. J'espère que la visite vous a plu. Le Hero Festival, c'est tous les ans à Marseille. Et ben franchement, encore une bonne expérience, encore un bon moment, de belles rencontres, des dédicaces, on est content. Et puis je vous présenterai tout ça en vidéo. J'espère que pour vous c'était un moment agréable. Moi, oui, regardez, je suis plein dans la truffe, là je vais bronzer en plus. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, n'oubliez pas. Le pouce, l'abonnement, si vous voulez qu'on papote, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine, c'était Ed, à bientôt, ciao.